Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV et on se retrouve pour faire le bilan de Supercard. Donc cette semaine, on va pas se mentir qu'il y a pas mal de choses aussi par rapport à, aux semaines précédentes. Bon, on n'a pas passé le tiers parce que bon, on est déjà au tiers maximum, donc voilà, on n'est pas on n'est pas passé à un tiers, hein, mais bon, ça fait toujours plaisir parce que vu qu'on est déjà au rang maximum, bah on a toutes les récompenses maximum à avoir, donc ça fait plaisir. Donc voilà, on va aller chercher nos récompenses Team Battleground, le Mercredi Sauvage, la fusion biomécanique, la fusion Horde, et aussi on va finir le Road to Glory. Je vais vous faire montrer où je suis, puis voilà, on va finir le dernier accès pour la carte que j'avais visée. Donc, je vais pas vous mentir, j'avais visé KO, Kevin Owens en Horde. En fait, je me suis rendu compte que mon deck était tellement puissant que même le Kevin Owens vers la fin, je faisais des perfects en fait, je perdais même pas un match. Donc je me suis dit, autant tenter la Behemoth, même si bon, c'est un catcher que je connais même pas, pour vous dire, hein. Tugboat, je sais pas c'est qui, c'est un catcher des années 90. Donc voilà, mais bon, c'est une Behemoth, donc on a été la chercher. Donc comme vous le voyez, il nous reste plus qu'un essai. Donc vers la fin, là, je faisais des plus 3. Parce que les plus 5, je pense vers 130, 120, j'ai bloqué déjà et j'ai fait des plus 3. Donc voilà, mon deck, je vais vous faire montrer, en vrai, il est vraiment pas dégueu. Parce qu'en vrai, les Womens, déjà, ils sont très très fortes. Et aussi, ma carte la moins forte, c'est une biomécanique pro, donc déjà, c'est ouf, quoi. Donc voilà, on va finir l'accès. On va faire le plus 6, même si bon, de toute façon, on peut pas garder les doubles pioches qui nous restent. Donc autant utiliser le plus 6. Puis voilà, on fera ça en vidéo à la fin du Road to Glory, quoi. Donc voilà. Alors, comme vous voyez, j'ai eu un nouveau soutien, je vais vous faire montrer après. Je l'ai eu vous voyez dans les tâches du Mercredi Sauvage. Je vais vous mentir, je prends les tâches, je prends tous les objectifs du Mercredi Sauvage, je les prends off. Et le truc à la fin, les trois cartes. Là je le fais en vidéo. Et dans ça, dans le soutien qu'on peut avoir dans Mercredi Sauvage, j'ai eu un soutien de ouf. J'ai un soutien sur deck, sur deux stats. Et en horde. Donc voilà. Je vais baisser peut-être un peu le son. Parce que je pense qu'il est un peu fort. Le son du jeu, parce que bon. Pareil un peu fort. Du coup voilà. Hop, on va prendre un call. Franchement les cartes d'événement BMOD sont quand même terribles. Hein. Franchement, je la trouve vraiment stylée de ouf. Ça me fait penser un peu à un démon, je sais pas, à une créature dans un Star Wars ou un truc comme ça, tu vois. C'est vraiment pas dégueu, je trouve. J'aime bien le côté dark et tout, j'aime bien le côté assez sombre et tout, moi j'aime bien. Donc voilà, hop. Ça passe largement. De toute manière, je peux vous mentir, les plus 3, on les gagne facilement maintenant. Hein. Parce que voilà, mon deck est quand même assez puissant. Hop, Yoshirai. Yoshirai contre Yoshirai. Ah bah mec, il fallait faire un meilleur classement. Hein. J'ai gagné du coup. Hop. Killer Cross, Kyron Cross. Je dis toujours Killer Cross parce que c'était son ancien nom. Ah, on a perdu un match. Bon, pas grave, on s'en fout. De toute façon, tu perds un match ou tu perds pas de match, c'est le même nombre de points. Donc en soi, on s'en fout un peu. Quoi. Hop, on finit le dernier round. Tac. Je sais pas si ça passe. Bah ça a passé parce que j'ai eu 10 millions de stats là, je sais pas pourquoi. J'ai dû faire un finish ou une compétence dans les cartes. Ok, il va rejouer le match mais il l'a perdu quand même. Hop, on va mettre Chelsea Green. Bon, Horde, ça serait bien d'avoir une meuf. Parce que soit ça sera une meuf encore dans mon deck, donc une carte forte. Ou soit carrément avoir une pro. Donc là, laisse tomber le bordel. Mais ouais, de toute façon, on commence à avoir pas mal de fusions, donc on va pas se mentir, tant que le tier Rumble, on aura forcément des pros, hein, parce que bon, voilà, si on en fait une toutes les semaines, on en aura une. On a fait 3 points sur Drew, je crois. Dommage, parce que c'est parce que j'ai pas un deck assez puissant, mais sinon j'aurais été le chercher Drew, parce que Drew, je l'adore. Mais bon, voilà quoi, tant pis. J'ai pas eu de chance, parce que j'ai eu la Dame Call première semaine. Événement,
Mais après, dans la deuxième semaine, j'ai pas pu l'avoir parce que bah, c'était tellement un événement nouveau. Et puis bon, dans le Wargames, c'était assez vénère le nombre de points qu'il fallait avoir quand même. Donc, je vous fais montrer les cartes que j'ai eues. J'ai eu Natalia, dans une pioche comme ça, genre tire-poule, comme ça. Voilà. Marina Shafir, vous l'avez déjà vu. Ensuite, Behemoth, je crois que j'en ai eu deux. Hop. Alors, j'ai eu. Bah, lui, on vient de l'avoir. Hein. Hop. Marc-Henri, j'ai eu. Airfouf. Je sais plus si vous l'avez vu. Mais je crois qu'Aïl Aurélie, vous l'avez pas vu. Et après, je crois que c'est tout. Hein. Sheamus, vous le savez que je l'avais eu. Bah, c'était dans l'événement par équipe. Mais peut-être que c'était cette semaine que j'ai pas fait gaffe. Mais voilà, vous avez vu un peu. En horde, j'ai eu pas mal de horde aussi. Je vous fais montrer les hordes. Alors, horde. Du coup, on a eu AJ Styles, donc je l'ai fait en pro. Voilà. On a eu Bobby Fish, comme vous l'avez vu dans le. C'était quel événement qu'on avait fait bah, c'était le Wargames, donc on l'a eu, donc un pro. Rugolak, Tirpool, en pro, je l'ai fait. Ensuite, j'ai eu. Bah voilà, j'ai eu plein de cartes comme ça, mais je sais plus exactement lesquelles, mais de toute façon, vous voyez. Hein, pour ceux qui se rappellent, vous savez c'est lesquelles les nouvelles. Je peux vous mentir, je pioche tellement de cartes que je sais plus c'est lesquelles à force récemment que j'ai eu. Mais voilà, en vrai, je commence à avoir pas mal d'ordre quand même. Et je vais pas vous mentir, j'ai tellement charbonné cette semaine. Déjà, la biomécanique, j'en ai eu une pro, j'ai eu. Sheltibi. Shelton. J'ai eu Fabian Heiner. Et j'ai eu. Murphy, je sais plus si c'est. Je vous l'avais fait montrer. Walter, je crois que je vous l'avais fait montrer. Et pas meilleur à fond, ça je l'améliore à fond. Voilà, on a eu lui dans le Road to Glory. Bon, lui, voilà, on risque pas de l'avoir en pro, hein. Puis au mécanique, je commence vraiment à en avoir beaucoup quand même. Hop, on va verrouiller tout ça. Dans Bobby Lashley, je vais lui enlever sa photo parce que j'aime pas du tout quand il a le bandana là. Je sais pas quoi là. Le problème, c'est qu'il l'a tout le temps en fait. Je vais mettre ça là. Hein. Du coup, hop. Je vous fais un trait de soutien que j'ai chopé. Terrible, franchement, il est terrible. Voilà, Poleman en horde. Soutien sur deck. Deux stats. Franchement, il est terrible. Puis voilà, on a toujours Miss Elisabeth. Hein. Donc voilà. Alors, les fusions, on va finir. Je sais pas si on finit par les fusions ou on commence par les fusions. Parce que voilà, il y a pas mal de choses, mais je sais pas trop. Bon, allez, on va faire les récompenses tout seul. Hein. Alors, on va faire les récompenses PVP pour l'instant. Bon, ça, c'est les cases. Donc, j'avais fait 5. De toute façon, à chaque fois, je vais faire l'armure 7. Parce que l'armure 7, en vrai, c'est assez vénère et il y a pas mal de récompenses terribles. Biomécanique, pas dégueu. Eh, les gars! Moi, je suis un chat noir, mais dans l'autre sens. En fait, il y a des semaines où je vais être chat noir, vraiment, chat noir, je vais pas avoir de chance. Et il y a une semaine, juste d'après, je vais avoir de la chance et ça va être un chat noir dans l'autre sens. Où en mode, je vais dire des trucs que je vais dire, ouais, ça va jamais se passer et tout. 5 secondes plus tard, ça se passe. J'ai dit quoi, il y a 2 minutes? Lui, on risque pas de l'avoir en pro. Le mec, on vient de le choper en pro. Non mais sérieux. Bon bah écoutez, une pro encore à faire, hein. Ça ira dans le Rumble, dans le PVP, puis on va charbonner les matchs. Hein. Sachant que c'est ça, le pack que je viens d'ouvrir, c'est même pas le meilleur pack du PVP. Hein. Enfin bref, what the fuck quoi. Hop. Alors, ça c'est le pack dégueulasse. Le pack dégueulasse, on a quand même une biomécanique. Cette Rollins, c'est une fortification je crois. Ou c'est une pro, je sais plus. Faut que franchement, faut que j'aille le voir parce que je m'en rappelle plus. On va prendre les crédits. Hop, 1800, j'ai pas fini premier parce qu'il y avait un mec qui m'a. Le mec, mon gars, il m'a collé au cul, je pouvais pas finir premier de ma ligue, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va finir par ce pack de ouf là. Voilà, mon gars, il risque d'avoir du lourd là-dedans. Hein. Ok. On a que des biomécaniques. Oula, Pete Dunne deux fois. Oh ouais, Pete Dunne deux fois, quoi, carrément. Steve Austin, je crois que je l'ai. Damien Priest, je crois que je l'ai. Attends, je vais juste faire une pause pour les récompenses et je vais aller voir.
Et les gars, je sais pas combien de pros on va faire encore cette semaine, mais j'en peux plus. Genre, il va jamais me lâcher, quoi. Alors, on a Pete Dunne, Damien Priest et The Goon. Et du coup, je crois que Rollins, c'est une fortification. Oh, c'est le bordel, les gars, mon gars. J'en peux plus, quoi. Je crois qu'on va avoir une récompense, ouais, voilà. Franchement, ils veulent vraiment que je reste sur le jeu, parce que putain, j'ai pas mal de chance. Je kiffe, franchement, je kiffe tellement. Bon, en même temps, c'est normal, j'ai tellement de la chance ces dernières semaines que t'es obligé de kiffer, quoi. Mais vraiment, c'est un kiff. Franchement, c'est une de mes périodes préférées actuellement là, sur Supercard. Ça fait longtemps que je joue, pourtant, ça fait. Bah, depuis 2014, donc ça fait 6 ans. Parce que voilà, j'ai commencé saison 2, donc voilà. Hop, 20 machins de pioche là. Un choix. Pourquoi pas. Du coup, on va continuer sur les récompenses. Donc, il nous reste les deux récompenses de champion du Battleground, parce qu'on a gagné les deux. Et le Mercredi Sauvage. Je pense que je vais finir par Mercredi Sauvage, parce que Mercredi Sauvage, on va pas se mentir que c'est assez vénère quand elle est dans le rang maximum. Du coup, t'as des récompenses assez de fou. Donc, voilà, on va laisser ça pour la fin. Alors. Ouh, on a une horde et une biomécanique. Ruby Riot, je l'ai pas, ça fait plaisir. Seth Rollins, le plus beau, je l'ai pas. Scarlett, je l'ai déjà en pro. Putain, même quand on n'a pas des cartes, ça fait des cartes de ouf parce que c'est une Ruby Riot biomécanique. Donc, je vais aller voir ça. Désolé pour les. Pour la. La comment dire, les. Les temps d'arrêt, mais bon, voilà, faut aller voir quand même. Du coup, attends. Combinable. Non. Est-ce que c'est. C'était qui? C'est Ruby Riot que j'ai eu? Non, mais je suis con, moi, je vais que dans masculin aussi. On a Nathalie en pro, je sais pas si je vous l'avais fait montrer. Je crois pas, hein. Bah voilà, vous la voyez. Franchement, j'ai des cartes de ouf. En meuf, je commence à avoir pas mal. Candice, Shayna. Alexa Bliss, Ruby Riot, Mercedes Martinez, Peyton Royce, Nathalie en pro. En vrai, c'est assez vénère quand même. Du coup, en Horde, est-ce que je l'ai le plus beau, le Seth Rollins là? Je crois pas. Hein. Pas déconner non plus, quoi. Ça là, est quand même terrible cette photo avec son gant là, j'aime trop. Il est trop beau. Donc voilà. Première récompense de Team Battleground, ça fait plaisir. Hop. En fait, c'est tout ou rien. Franchement, je vais pas vous mentir, les Team Battleground, c'est tout ou rien. Soit tu vas défoncer l'équipe, genre tu vas faire 13 000 ou ils vont faire 1 000. Ils vont lâcher l'affaire parce qu'ils savent très bien qu'on va les défoncer. Ou soit c'est des matchs hyper serrés, comme vous avez vu avant. On a gagné grâce à genre 3-4 attaques, quoi. Genre on a gagné de 600 points, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Franchement, je comprends pas trop les Team Battleground. C'est soit tu vas tomber sur des équipes de ouf, soit des équipes de merde. Y a pas de juste milieu, quoi. Enfin bref. Allez. Ok, on a une horde. Plaisir. De toute façon, on a toujours une horde parce qu'on est rang horde. Donc, je crois que. Voilà, ça c'est. Jeff Hardy! Avec sa petite tenue old school là. Murphy. Je l'ai pas, Murphy. Murphy Throw. Idolo, je l'ai. Bah, Andrade, moi je l'appelle Idolo. Donc voilà. Je l'ai en pro, je l'ai fait il y a 2 jours. Du coup, Murphy, je l'ai pas. Bon, ça fait plaisir. Moi, je l'aime bien, Murphy, je l'adore même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller fortifier direct Idolo. Hop. Tac, une petite fortification en plus. Ça fait pas de mal. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Hop. Et on va finir par le Mercredi Sauvage. Est-ce que le Mercredi Sauvage, je le ferai pas pour la fin? Et on fait fusion tout de suite. Parce que le Mercredi Sauvage, c'est quand même assez vénère. Vas-y, on va finir le Mercredi Sauvage pour la fin. Parce que vraiment, le Mercredi Sauvage, j'aime trop et c'est trop bien. Biomécanique. Déjà, en biomécanique, je peux vous mentir, je pense que même si j'ai une pro meuf, je la ferai pas. Parce que je commence déjà à avoir des cartes de ouf en meuf et. Et voilà, je préfère quand même assurer les hordes. Voilà. On va pas se mentir que les biomécaniques c'est juste pour le beau jeu. En plus je l'ai déjà lui. Je pourrais le faire mais. Non je pourrais pas parce que je l'ai déjà balancé. Donc bah non, de toute façon personne. La question se pose pas. Alors attention. J'ai Chelsea Green.
Bah voilà. Allez, on a une horde pro. Bon, bah ça sera ma meilleure carte. Prochaine vidéo, bah vous aurez mon deck à jour. Et je crois que mon deck a pas changé depuis que... Est-ce que j'ai mis... Ah, j'ai juste oublié de mettre Yoshirai sur mon deck. J'ai oublié de l'enlever. Et de vous mettre Natalia le deck à jour. Mais ouais, j'avais pas pensé que Natalia elle allait penser devant Yoshirai, c'est pour ça. Je pense qu'elle passe vraiment de peu, c'est pour ça aussi que j'y ai pas pensé. Mais de toute manière, voilà, vous aurez le deck à jour la semaine prochaine. Parce que bah, il y aura Chelsea Green qui va défoncer toutes les cartes là. Elle va passer largement en première. Donc voilà, j'ai hâte de voir l'animation en fusion hors pro. Putain, franchement, j'ai eu vraiment de chat. C'est un truc de ouf. Du coup, c'est pour ça que j'essaie toujours de garder des crédits. Comme ça, moi, je peux continuer à faire des deux fusions à chaque fois. Parce que voilà, on va pas se mentir que ça fait toujours plaisir. Oh, pour en mettre chez une or, hein. C'est pas grave. Elle va pas nous en vouloir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... On va commencer à balancer des trucs, là, parce que j'ai trop de cartes, les gars, je vais pas vous mentir. Faut vraiment que je balance tout ça, parce que... Je suis vraiment full rapidement, quoi. Bon, cette carte-là, elle était vraiment terrible, mais bon, je suis obligé de la balancer, désolé, c'est ma petite Sacha. Tac. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que tu cliques dessus, tu peux pas te barrer et tu es obligé de cliquer sur enlever ou échanger, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, ce sera une petite fusion biomécanique. On va continuer de faire une fusion de chaque semaine, hein. Bon. Voilà, ça coûte pas très cher en crédit, donc en vrai, ça fait le taf. Du coup, je vais balancer des trucs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer les plus faibles d'abord. Donc ça dégage. Tac. Je sais pas pourquoi j'en garde autant, je pourrais en dégager, mais... On sait jamais. Si vraiment un jour, j'ai besoin de... Deux cartes assez vénères dans les fusions, on les aura. Donc, bah voilà, hein, on va finir par un crédit sauvage, puis ça sera bon, les gars. Hein. Franchement, on a eu. Pff, vraiment, on a eu de la chatte encore cette semaine, c'est un truc de ouf. Franchement, on a pas mal de chance quand même. Mercredi sauvage, c'est vénère. Hein. Franchement, mercredi sauvage, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, parce que vraiment. Allez. Deux hordes. Je vais pas vous mentir, si on peut avoir une petite meuf, hein. Moi, du bon nom. Allez, Jeyuso, je crois que je l'ai en plus. C'est soit Jimmy, soit Jay, je m'en rappelle plus. Mais voilà, on va voir après. Jeyuso. Et bah... Je sais pas si je l'ai. Parce qu'en fait, je confonds avec le compte de mon pote. Parce que vu qu'on joue en même temps, vu qu'on joue au même jeu, et puis on se partage tout, je sais plus si c'est lui qui l'a ou si c'est moi. Mais bon, on va aller voir après. Finn Balor, je l'ai pas, c'est sûr. Finn Balor, on va lui mettre une photo Finn Balor en démon. Ça fait toujours plaisir. En plus, j'en ai une belle en carte extrême. Elle est terrible. Donc, alors. On va aller voir si on a une biomécanique pro avec... bah voilà. Avec Jeyuso. Et voilà, encore une en plus. Hein. Bah écoute, les gars. Écoutez, les gars, on a ces cartes-là à faire. Donc, on en a 4. Ensuite... Horde. Ah bah Jeyuso, je l'ai. Et bah écoutez, on en a deux à faire. Pff, franchement les gars, on a vraiment trop de chance. Eh, je vous dis hein, si ça continue comme ça, dans deux semaines je rends full le maximum la barre à fond. Et je... Bah je peux vous dire, je me fais Yoshi hein. Parce qu'en vrai je vais tellement vite pour augmenter. C'est un truc de ouf. Il like mon... Franchement, il me manque plus que des behemoths en pro et j'ai fini le jeu. Enfin, j'ai fini le jeu. J'ai fini la période de la nouvelle saison. Et j'ai juste à attendre le Rumble. Hein. Sachant que les SummerSlam, j'en ai encore deux à faire. Ça, je le ferai peut-être pas parce qu'en vrai, bah, c'est plus fort dans mon deck. Je sais même pas les cartes si... En fait, les cartes, ils sont même plus dans mon deck. Donc, je sais même pas pourquoi je les fais. Donc voilà les potes, hein, j'espère que ça vous a plu. On va juste voir. Ah non, il y a les tickets. J'ai oublié ça. Je peux vous mentir, je pourrais attendre demain pour en ouvrir un dernier. Mais en fait, je voulais tourner la vidéo rapidement parce que...
Juste les fusions, si on peut gagner un jour dans la semaine, ça fait plaisir, quoi. Donc on va en ouvrir deux. Puis voilà, comme ça on en aura un de plus la semaine prochaine. Puis voilà, c'est pas grave. Du coup, on finira par les tickets. J'avais pas pensé aux tickets, j'ai oublié. Mais bon, c'est pas grave. Alors. Une behemoth. Mais non. Mais non! Mais les gars! Sachant que là, on a déjà une amélioration SummerSlam 2020. Donc on peut déjà. Franchement, dis-moi pas que c'est une amélioration parce que sinon je vais péter un câble. Finn Balor. On a trop de chance. Les gars, on a trop de chance. Shayna. Attends, me dis pas que Shayna, je l'ai. Eh, franchement, si je l'ai, j'en peux plus. Franchement, les gars, je sais pas quoi vous dire là, en fait. Les gens, ils vont m'insulter tellement que j'ai de la chance. Je crois que Shayna, je l'ai. Franchement, même quand on a le tiers, le minimum, on a des féminines pro. Putain, mais les gars, j'en peux plus. Franchement, ça me met mal à l'aise pour vous qui regardez la vidéo. Franchement, je me dis. Je sais pas quoi vous dire en fait. Finn Balor. Putain. Bon, bah, allez, hein. Dernier pack 125. À 25. Pourquoi je dis 125? Bon, les gars, je peux vous mentir, j'ai pas. J'ai même pas besoin de me plaindre en fait. J'ai trois biomécaniques. Bah, j'ai deux biomécaniques superstars. Ça me gêne bon en fait. Je suis tellement refait là. Bon, allez. Parti. On vient de l'avoir, on l'a en bio fortification. Eh les gars, même quand j'ai les pires récompenses, j'ai quand même des récompenses en pro et tout. Genre, là tu te dis, bon c'est pourri un peu parce que t'as deux biomécaniques, c'est un peu le rang max minimum quoi. Mais c'est des féminines pro en fait, c'est terrible. C'est même pas des pros, c'est des fortifications. Bon bah c'est une superstar. Allez. Lindsay Dorado. Franchement je m'avance plus parce que ça se trouve je l'ai. Je sais même pas quoi vous dire en fait. Tu vas aller voir. Non, je l'ai pas. Ah putain. Franchement, en fait, je suis refait encore une fois en fait. En fait, à chaque vidéo, je vais dire dans ce que je sais pas si vous lisez les descriptions, mais à chaque fois je dis j'ai jamais autant de chance dans le jeu. Et à chaque fois, à chaque semaine, ça va je vais dire cette phrase-là en fait parce que en fait plus tu montes en semaine, plus j'ai de la chance en fait. Et encore une fois, bah là, cette semaine, je sais pas quoi vous dire en fait. Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est que lui, j'ai dit, ouais, vous inquiétez pas, bah, j'ai pas dit ça, mais j'ai dit, ouais, vous allez voir, lui, je l'aurai jamais en pro parce que voilà, c'est une carte spéciale et tout. Le mec, j'ouvre mes récompenses Battleground, j'ai lui quoi. Pas Battleground, PVP, pardon. Voilà quoi, j'ai ça à faire. J'ai ces deux. Voilà, Chelsea Green. C'était le meilleur choix à avoir parce que c'est une meuf et puis en plus c'est une pro. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire. Franchement les gars, je suis refait. Bon voilà, je voulais finir sur ça. 43 000 crédits. Donc franchement, pas vous mentir, hein. Si vraiment je suis un fou. Bah attends, je vous fais rentrer à la boutique parce que tant que ça arrive, voilà. Et si je suis un fou, je pourrais prendre deux fois Rollins ou AJ. Mais en vrai, une Horde Pro, ça sera cool sur le moment, mais ça sera loin d'être ma meilleure superstar en fait, ma meilleure carte. Donc en vrai, voilà. Après, ça peut être cool parce que c'est une carte spéciale pour voir l'animation, mais non, je vais attendre les resets. Pour voir la behemoth, puis voilà. Du coup, voilà les potes. Je sais pas quoi vous dire. Franchement, j'ai eu trop de chance en fait. Encore une fois, je sais pas quoi vous dire. C'est un truc de ouf. Du coup, bah écoutez, je crois qu'on en a fait le tour. Hein. Franchement, je suis un peu silencieux parce que je suis un peu choqué en fait.
Un truc de ouf. Genre Chelsea Green et Jimmy Uso, quoi. Sachant que lui était à 100 matchs, donc voilà, ça c'est cool, j'aurais juste à faire lui. Pff, franchement, les gars, je comprends pas pourquoi il me donne autant de chance en fait. Putain, d'habitude, c'est vraiment pour ça. Hein. Enfin, bref. Du coup, les potes, voilà. Tant ça, c'est quoi là-dedans là? Parce que ça. Franchement, il y a eu un moment de silence, mais. J'en reviens pas en fait. J'arrive pas à me. Je sais pas, je comprends pas en fait. Genre. Franchement, vous allez voir quand vous allez passer le rang maximum et vous allez acheter des tickets. Vous allez avoir les récompenses PVP, les récompenses Battleground. Vous allez voir, c'est une autre vie en fait. C'est vraiment. Vous allez avoir que des récompenses de ouf, vous allez être trop content en fait. Juste un ticket à 25 qui te prend genre 3 jours à faire. Regardez ce que tu peux avoir dedans. Minimum, c'est une Summer Slam. Tu l'évites, déjà. T'as une nouvelle carte de la nouvelle saison. Après, voilà, tu peux avoir des cartes spéciales de vacances. Puis voilà, tu peux quand même avoir une horde féminine, quoi. Genre, je veux dire, c'est pas quoi, c'est pas n'importe quoi, quoi. Enfin bref, même une récompense à 10, c'est pas dégueu, hein. Franchement, une récompense à 10, franchement, c'est jusqu'à horde. T'imagines, tous les jours, tu peux acheter un pack comme ça? Tous les jours, tu peux essayer d'avoir une biomécanique ou une horde. Et si t'as un minimum de chance comme moi, bah tu peux avoir une pro. Donc bon, voilà, on va pas se mentir que c'est terrible. Je farm beaucoup le Money in the Bank parce que c'est celui où t'as beaucoup de crédits en un accès. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai autant de crédits, hein, 43 000 comme vous le voyez ici. Voilà, on va économiser tant qu'il reset les récompenses et puis que je peux m'acheter une behemoth, hein, tout simplement. Moi, je peux aller chercher plus loin, les gars. Hein. Si je peux carrément me prendre une paire behemoth. Voilà. Du coup, voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo. Désolé un peu pour les moments de plan des fois, parce que des fois, franchement, je suis perdu. Franchement, je suis. Voilà, c'est ma réaction naturelle. Franchement, vous serez à ma place, vous serez pareil, parce que c'est un truc de ouf en fait. Genre vraiment, j'ai jamais eu autant de chance sur le jeu, vraiment. Genre, j'en ai eu des nouvelles saisons dans le jeu. Hein. Franchement, j'en ai eu plein. Mais je crois que j'ai jamais été aussi vite pour monter le rang maximum en fait. Genre. Vous avez vu mon deck quand même? Je suis dû à Behemoth presque plus. Sachant que. Après, je vais faire Chelsea Green qui va remplacer Tamina. Et qui va être Chelsea Green Pro Horde. Ça va être ma meilleure carte, mais de loin. Je pense que je vais être presque à Behemoth plus. Hein. J'arrive pas à l'imaginer en fait, ce truc. C'est un truc de fou. Même en soutien, j'ai tellement été vite pour avoir deux soutiens de ouf. Franchement, les gars, je suis à la fois désolé pour vous parce que je pense qu'il y en a plein qui galèrent et tout. J'avais vu un commentaire d'un mec qui avait dit ouais, je me plains que j'ai pas de chance et tout. Il parlait de lui, hein. Et je lui disais, j'avoue que j'ai pas mal de chance. Et je peux comprendre parce qu'il y a des gens, franchement, ils ont pas de chance. Moi, je sais que mon pote, franchement, son compte, t'as l'impression qu'il est maudit tellement qu'il a rien en fait. Et moi, à côté, j'ai que des cartes de ouf. C'est un peu malaise, tu vois. C'était un peu malaise. T'as un peu mal à l'aise pour lui parce que tu te dis putain, j'aimerais bien qu'il a de la chatte aussi quoi. Mais bon, voilà, on n'y peut rien, hein, c'est aléatoire et c'est comme ça. Hein. Du coup, les potes, j'espère que ça vous a plu. Nous, cette semaine, on va essayer de faire toutes ces cartes pro. Hein. Regardez tout ce qu'on a à faire. On en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept cartes. Sept cartes. Oh les gars, mon gars, je vais mettre au moins 3 jours à faire tout ça, quoi. Mais je crois que je vais me privilégier surtout Chelsea Green et Jimmy Uso, parce qu'après c'est des biomécaniques, donc ça sera pas dans mes cartes top 8, pas top 6. Mais voilà, franchement, Frenchman, le mec, il parle marseillais. Mais voilà, je suis choqué, puis je suis à la fois content, parce que franchement, ça me fait plaisir. Enfin, j'ai un peu de chance, parce que d'habitude, je suis un peu le chat noir sur tous les jeux. Mais là, ça me fait plaisir. Du coup, là, les potes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo. Mettez dans les commentaires si vous avez eu de la chance comme moi. Et si vraiment, vous êtes aussi rapide à monter les tiers, parce que vraiment, j'ai été vite. Le tiers Horde, en une semaine, il était déjà passé, quoi. C'est un truc de ouf. Genre, je veux dire, ça va trop vite. Du coup, voilà les potes, j'espère que ça vous a plu.
Puis on se retrouve d'ici demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Puis la semaine prochaine pour un nouveau bilan de Supercard. J'espère que ça vous a plu ce bilan de Supercard. Franchement, je peux vous mentir, je vous propose quand même des vidéos de qualité parce que franchement, j'ai quand même pas mal de chance de récompenser tout et ça me fait plaisir. Parce que d'habitude, voilà, je suis vraiment pas le mec qui va vous faire kiffer autant parce que bah voilà, j'ai pas beaucoup de chance sur le jeu. Mais là, franchement, les 3 dernières semaines, là, c'était un truc de ouf. Je me suis tellement rattrapé de toutes ces années de galère. Après, le mec, il parle d'un boulot. Mais bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis voilà, moi, franchement, je suis trop content et je kiffe de ouf le jeu actuellement. Ça fait trop plaisir. Donc voilà, les potes. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo sur Supercard. Et on se retrouve d'ici demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis adios, les potes. Allez, adios, les potes.